Eh bien, salut tout le monde, c'est Hardvec, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 6 de Dying Light. Et on reprend depuis la dernière fois, là, où il y a eu le petit imprévu. On devait aller rechercher, du moins on devait aller rendre les... Je sais plus c'était quoi, rendre l'argent à Rice. Et il y a eu un petit imprévu à la fin où on a dû retrouver la patrouille manquante. Donc on va aller tout de suite à la mission. C'est parti. Les gars ont été complètement massacrés. Fouille les corps. Recherche les plans dans une petite enveloppe. Et les amis, est-ce que tu as trouvé l'enveloppe? Pas encore, une seconde. La vache! Oh putain, c'est quoi ça? Qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi le truc? Ah, ok, y a un mec. Oh putain, ça va attirer tous les virulents, c'est super. C'est super. J'aimerais bien ne pas utiliser le pistolet. Parce que là, tous les virulents ils vont arriver et ça va être la merde. J'ai trouvé des clés. Je sais pas trop à quoi ça va servir. Bon, bah, peut-être que je vais pas avoir le choix. À chaque fois que je me gourde de touche, en fait, pour viser, faut que j'appuie sur l'analogue. Donc, c'est pas génial. Bon, on va utiliser un kit de soins parce que là, sérieux, je vais crever. Ok, c'est bon, je l'ai eu. Donc bien, il me restait plus qu'une balle. Parce que toi, t'as rien. Alors là, je sens bien le truc, là. J'entends gueuler depuis tout à l'heure, à mon avis. Parce que je sais pas si je peux récupérer sa mitraillette à l'autre. Ça serait bien. On a trouvé la lettre. Je l'ai. Parfait. Rapporte-la-moi immédiatement. Ah, je peux pas y aller. Tu es accueilli en véritable héros. Ah, je peux peut-être passer par là. Hey, yes. Toi, là-bas. Je suis sur l'antenne. Tu me vois? Est-ce que je peux prendre son arme? Nickel. Nickel, putain. C'est bon. Je vais ramasser une mitraillette. Bon, on va se mettre là tranquille. Qu'est-ce qu'on va faire? Je vais mettre le pistolet ici. Allez hop, fusil de police. Attends, je vais juste regarder les dégâts. 271 de dégâts de puissance de feu et le pistolet faisait 235. Donc ça va, c'est plutôt pas mal. J'ai un peu de balles, donc ça va le faire. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le marteau. Marteau de Thor. Allez, demandez votre récompense à Rice, on est parti. Putain, il y a du monde là. Oh merde, il y a un virulent, je crois, juste derrière moi. Donc, d'après ce que j'ai compris, Rice n'a pas beaucoup d'amis dans le coin. Mieux vaut être craint qu'être aimé. Machiavel. Tout à fait. Un mec qui avait les pieds sur terre. Machiavel. Putain, y a le bordel là. Bon, allez. Dégage, on se les fait. Sans déconner. Ils se sont barrés direct quand j'ai sorti le fusil. Je vais ressortir le fusil. Qu'est-ce qu'il y a, mec? T'es sérieux là? Allez, cassez où? Casse-toi, je tiens. Ah, mais lui il a pas peur. Ah, vache, toi t'es plutôt balèze. Hein.
Putain, la vache, il est balèze, lui. Culé. Allez. Allez, un petit coup pour finir. Hop, on lui pète. Oh, la vache, elle, la tête, elle est pétée. Hein. Alors là, on lui a fait mal. Allez, hop. On va les délivrer. Merci. Qu'est-ce qu'il fait, lui? T'es pas bien, mec, hein. Allez, hop, on y va, on va arrêter de, les conneries. Je vais essayer de marcher là-dessus, parce que... La dernière fois, je marchais dans l'électricité, je suis mort. Donc là, c'est pas la peine de marcher dessus. Je vais le recommencer. Allez, on est presque arrivé, on est arrivé. Putain, il y a encore un zombie qui dégueule. C'est bon, on est passé. Donc c'est qui est c'est ouais, c'est lui. Voilà les plans. Rimka. Toi, au moins, je peux te faire confiance. C'est pas comme ces ivrognes. Rice t'attend. On pourra peut-être bosser ensemble un de ces jours. Non, j'espère pas. Ça, c'est fait. Non, je ne pense pas, non. Allez, on va voir Rice. La compassion, c'est ma faiblesse. Tu me retrouves un toit, tu bouffes le bras, DJ. Vous avez tout ici. Un toit, à manger, des femmes, des munitions. Et qu'est-ce que j'ai en retour? Je suis trop gentil avec vous. Beaucoup trop. Tiens, revoilà l'autre. T'as quelque chose pour moi? Ouais. Et j'attends mes deux caisses d'antisine en retour. Tu me l'as promis. Tu rêves. Tu es fidèle à la tour. Mais c'est pas une marque d'intelligence. Tu n'es qu'un lâche. Tu obéis sans réfléchir. À eux, à moi, à un bon petit... clébard. Écoute, on avait un marché. Les tiens ont besoin de l'antisine. Plus que jamais. Mais... un homme qui suit les règles d'un autre n'en est pas un. Tiens. T'auras ça, et rien de plus. 5 flacons? Mais tu m'avais promis 2 caisses. Si t'en veux plus, j'ai une proposition pour toi. L'athlète, celle qu'on appelle le Scorpion, Jade Aldemir, ramène-la-moi. J'ai... une arène où mes hommes se battent. J'aimerais bien voir le Scorpion se battre pour nous. Je me demande... combien de temps... elle tiendrait. Quoi? Non, pas question. Ça manque de conviction, tout ça, Crane. T'as pas encore décidé, ça s'entend. Alors tu vas sauver qui? Les habitants de la tour? Ou la demoiselle en détresse? File et réfléchis. Ok, mais alors lui, je crois que s'il continue sur cette voie-là, je crois qu'il va voir de quel bois je me chauffe. Oh merde. Putain, il y a encore le dégueuleur. Hein. Trouver un coin isolé sur le toit pour contacter le GRE. On va y aller. Putain, l'autre, il m'a vu. Ça va, il reste derrière. Comme d'habitude, on va sur le train. On va sur le TGV. Ici Crane. Au rapport. Je travaille plus avec Rice. Il voulait que je kidnappe Jade Aldemir pour la faire combattre dans son arène. Oui, et
C'est tout? Comment ça, c'est tout? Je vais pas dans le trafic d'humains, moi. On dirait que vous oubliez à quel point ce fichier est important, Crane. Si Rice veut la fille, livrez-la lui. Vous serez là pour veiller sur elle, non? Qu'est-ce que... C'est quoi, ce délire? Vous êtes sûr de bosser dans l'humanitaire? Et puis, si ce fichier peut sauver le monde, pourquoi il doit rester secret? On ne vous paye pas pour vous poser des questions, Crane. Récupérez le fichier, c'est tout. Allez vous faire foutre. Ok, comme ça, ça c'est dit. Va te foudre. Rapportez l'antizine à la tour, on va y aller direct parce que la dernière fois c'était la merde. N'oubliez pas que si vous ne pouvez pas rentrer à temps, vous devez trouver l'abri le plus proche et attendre l'aube. Bonne chance. T'inquiète ma gueule. T'inquiète pas pour moi. Ouh, le petit couteau de pêcheur. Bon, j'espère quand même qu'on va arriver à temps. Oh, pardon. J'espère franchement qu'on va arriver à temps. Putain, c'est quoi cette merde? Je suis en train de faire n'importe. Ok. Je vais quand même regarder. Elle est où la tour? Oh non. Ouais, elle est loin quand même. Je vais aller sécuriser l'appart là, je sais pas où il est. Ça doit être là. Ça, je vais pouvoir dormir. Alors, je passe par où? Je passe par là. Ok. Plus par là, je pense. Ok, non, pas du tout. Putain. Putain, lui. Comme par hasard, hein, tu sais, tu tombes là, ils sont déjà juste en dessous, toi. Allez, hop, on monte, on essaye de pas se péter la gueule. Certainement au-dessus, je sais pas. Non. Ok, ça va, je suis pas tombé. Yes, c'est bon, c'est ici. Putain, il y a déjà un derrière moi. Allez hop. Tape dans le vent avec son marteau. Allez, hop, défonce tout ça. Oh là là, t'es énervé toi, dis donc. Allez là. Connasse. Et toi? Je vais envoyer des pétards. Ça, ils vont pas m'emmerder. Alors. Voilà. Je vais réparer mon marteau. On va fouiller tout ça juste avant. C'est où? C'est ici, non? Non, c'est pas ici. Planche à clous, on s'en fout. Il faut faire profil bas. Oh, une petite statue en or, figurine de zombie. Vous connaissez la procédure. Faites gaffe. Sinon, elle est où, là? Ok, il est là. Ça, on arrive juste à temps. Ah, ok, donc on a tout le toit. Ok, d'accord. Alors, il n'y a pas un petit plan planqué quelque part ici? Je veux dire, un petit coin à plan, tu vois. Je pense qu'on a bien fait de venir ici, hein. T'as vu, en 2 secondes... En 2 secondes, il fait déjà nuit. Ah là, je peux même pas ouvrir ça, c'est sérieux.
Bizarre. Non, il a l'air d'y avoir rien. Ah, je peux ouvrir. Je peux quand même essayer d'ouvrir. Planche à clous. Là-bas, c'est pareil. Ok, bon, on va aller dormir. Voilà, donc c'est bon, on peut y aller. Non, je déconne. Là, quand ça fait nuit comme ça, faut surtout, surtout pas sortir. Attends, je vais essayer de jeter un pétard. Ah non, je peux pas. Dommage. Je peux pas sur le bord. Essayer de pas me péter la gueule. Putain, je voulais jeter les pétards. Alors là, à mon avis... Ah, y'a personne qui va. Sérieux? Ouais. Je pensais qu'il allait y avoir là le troupeau de zombies, mais en fait, pas du tout. Voilà. Là, il fait jour, il fait moche, mais au moins, il fait jour. On va prendre la tyrolienne là. Ça, c'est nickel, ça, franchement. Que c'est pareil partout en ville. On sait ce qui s'est passé? Non. Jeff, notre spécialiste, est parti la semaine dernière. Et il est du genre irremplaçable. Je peux peut-être le retrouver. Il faut que tu le retrouves. Et vite. Il paraît qu'il s'est monté une petite forteresse, quelque part derrière la gare. Ok, mais on a déjà remporté l'antisine. Se manier. Ah putain, il y a encore un. Un zombie vomi là, les vomitos. Oh putain. Ah ça va. Parce que j'aime péter les deux jambes encore. Une mission qui disait que Rice avait des. Réfléchis bien, traceur. Je vais vous niquer, moi! Fais pas le malin, fais pas ton malin avec moi! Salopard! Je vais t'étriquer! Et si je sors ça? Merde, à chaque fois je me vois. Attends, je veux juste voir. Ok, juste pour ça! Putain, si j'avais su, j'aurais rien fait du tout. Ah, je me barre parce que là, sérieux. Bracken, c'est Crane, tu m'entends? Bracken, tu m'entends? Merde. Jade, c'est Crane, tu m'entends? Crane, combien d'antisines t'as récupéré? Rice voulait que... On s'est fait avoir. J'ai que 5 flacons. Quoi? On n'ira pas loin avec ça. Ouais, ça va. Une épidémie a éclaté au 18e étage. Reviens le plus vite possible et perds pas l'antisine. Avec 5 flacons, hein, ça va, il va pas aller loin. Allez hop, on est arrivé. Putain, il y a même du brouillard dans la tour, tu sais, c'est abusé. Ah, maintenant c'est celui de droite qu'il faut prendre. Et là, ils l'ont réparé. Jade vient de me dire qu'une épidémie a éclaté au 18e étage. Il faut que je rapporte le peu d'antisine qui me reste à la tour, et vite. Tu as l'antisine? Donne-la-moi. Il y a eu quoi ici? Une personne a été infectée, et deux autres ont été prises au piège. On aurait pu condamner l'appartement. Mais Brecken... voulait sauver un max de gens. Ça a mal tourné. Il a fallu prendre une décision. On a perdu l'étage et... quelques gamins dans le tas.
Tu devrais aller voir Brecken. Je vais apporter ça à Lena. Ok, ok. Bah, à mon avis, elle va pas aller loin avec ces cinq flacons, là. Bonjour, messieurs. Échanger. Alors, qu'est-ce qu'on peut échanger maintenant ? Plan clé de Benjamin Franklin. Ok, donc je sais pas ce que c'est. Fossile de jardin. Lame de crochet. Barre levier. Ah, la matraque. La matraque, j'aimerais bien en trouver une. Je pense que ça pourrait être pas mal aussi. Les pétards, c'est bon, je pense. Je vais en reprendre 5. Pile. Tac, tac, tac. De la corde. Le crochet, on va en reprendre un peu. On va en prendre 10. Tac. Voilà, donc elle doit être bien vendre. La planche à clous. Ah oui, j'ai trouvé des hachettes de jet médiéval sur un mec que j'avais buté. Quand, faudra que j'essaye de voir. Qu'est-ce que ça donne? Alors, marteau, là, je vais revendre celui-là. Le café. Tout vendre. Cigarette. Je pense qu'on est pas mal. Bon, on y va. Allez, on y va. On va aller voir Brecken. À mon avis, ça va gueuler un peu. C'est là qu'on reçoit les infos concernant les livraisons d'antisine. Et là, on n'en reçoit plus. Il y avait des enfants! Lena a dû réagir. Je devrais peut-être la laisser diriger. Mais putain, Crane! Je suis pas un leader. Je suis prof de parcours, c'est tout. Tous Freyren, c'était toi? Tu as montré aux gens quoi faire pour survivre. Tu sais ce que j'avais dans les poches en arrivant à Arran? Des putains de cartes de visite. J'espérais trouver de nouveaux élèves. Économiser pour acheter une maison et... quitter mon petit appartement pourri. Écoute, je vais aller parler à Rice. Hey, attends un peu. Tous ces gens ont besoin de toi. Donne-moi un peu de temps. Il y a sûrement une solution. Une meilleure solution. Très bien. Je vais attendre. Mais fais vite. Ok. À mon avis, lui va faire une connerie. Je sais pas pourquoi, mais je le sens. Je le sens gros comme la tour. À mon avis, il va faire une connerie. Je vais enfin pouvoir faire quelque chose de bien. Allez, c'est parti. Qu'est-ce que je dois faire? Chercher un endroit isolé sur le toit pour contacter GRE. Ok, donc je dois remonter. Hop. Raïm ? Qu'est-ce que tu fais là ? Salut, Crane ! Tu peux te faire confiance ? T'es sous ou quoi ? Oui ou non ? Oui, oui, oui. Qu'y a-t-il ? Les éclaireurs ont trouvé un nid de rapaces dans ce gratte-ciel. Si on l'élimine, les missions de nuit seront de nouveau possibles. Je pense à un truc. On pourrait peut-être le faire exploser. Me dis pas que t'envisages toujours ça. Crane, il le faut. Tant que le nid sera là-bas, on ne pourra pas récupérer toute l'antisine dont on a besoin. On fait une bonne équipe. Ah ! Merde ! Me lâche pas ! Me lâche pas ! Oh putain ! Tu vois, on fait une bonne équipe. Écoute, Raïm, on n'a pas d'explosifs. Du tout. À part peut-être les pétards de Spike, mais... bon. J'en peux vraiment plus. Tout ce que je fais, c'est de regarder. J'en ai marre. J'en ai marre de rester là à rien faire. Je veux pas crever ici, Crane. Pas comme ça. Pas de cette façon. Quitte à mourir, autant que ça serve à quelque chose.
C'est quoi ça? Je devais partir le dimanche. Et ils nous ont mis en quarantaine le jeudi. Mes sacs étaient déjà prêts. Je vais... Bon, écoute, je vais réfléchir, ok? Si je trouve un moyen de t'aider. C'est ça. D'accord, donc en fait, nous on est le psy du jeu en fait. Toi. Tout le monde qui se sent mal dans le jeu, et nous on vient les aider. J'ai l'impression d'être le psychologue. Alors j'ai bien aimé le petit. Nous on a que des pétards de Spike, hein. Évidemment, pétarni avec des pétards. D'accord. Ici Crane, vous m'entendez? Qu'est-ce qu'il y a? Il faut que vous recommenciez à livrer de l'antizine près de la tour. On en a besoin. On vous a envoyé à Aran pour retrouver le fichier, pas pour jouer les mères Teresa. À moins que vous ayez changé d'avis pour la proposition de Rice. Peut-être que Mademoiselle Aldemir serait contente de coopérer, de se battre dans un nouvel environnement. Donnez-nous de l'antizine, et ensuite on verra. Ah, vous le prenez comme ça. Désolée de vous dire ça, mais vous rêvez. Les choses sont un peu tendues avec le ministère. Reprendre les livraisons ne serait pas très avantageux, politiquement parlant, actuellement. Vous êtes vraiment qu'une bande d'enfoirés, avec votre fichier à la con. Je vais le trouver, mais je vais pas me gêner pour l'étudier tranquillement avant de décider quoi en faire. Ok, donc là, il y a trop de trucs qui se passent d'un coup, là, sérieux, ça devient... Franchement, il y a trop de trucs qui se passent d'un coup. Alors, pacte avec Rice. Ok, donc là, je sais pas trop où je dois aller. C'est Jade. Tu m'entends? 5 sur 5. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? J'ai besoin de ton aide. Rice a transformé une école abandonnée en entrepôt. Et je pense que c'est là qu'il stocke son antizine. Si on réussit à entrer dans cet entrepôt, on pourra récupérer les médicaments dont la tour a besoin. T'es avec moi? Ouais, je te suis. On se retrouve dans les wagons, près de l'école. Ok. Au fait, Jade. Si jamais on retrouve pas l'antizine, il va falloir qu'on parle, toi et moi. À propos d'eux? Pas maintenant, Jade. Commençons par vider l'entrepôt de Rice et nous verrons bien. Ok. Jade sait où on peut trouver plus d'antizine. Je vais la retrouver dans un des wagons près de l'école. Ok, le mec qui attend que ça juste devant. Ok les amis, donc je pense qu'on va rester là pour cet épisode. Hein. Je préfère pas aller commencer de nouvelles missions. Déjà qu'on est à 28 minutes de vidéo. Après ça va faire un peu trop long, je pense. Donc on va en rester là pour cet épisode 6. N'oubliez pas le petit j'aime et de vous abonner si c'est pas fait. Car quand je vous le dis encore que pour 50 abonnés, je vous fais une petite vidéo setup. Donc voilà, alors voilà, puis je vous dis à la prochaine pour l'épisode 7, et salut tout le monde! J'espère que tu jetteras un coup d'œil au tableau.